Nouvelle semaine, nouveaux défis, nouveaux objectifs. Bien le bonjour, chers téléspectateurs. Merci de choisir BFA. Merci d'être fidèle à notre programme. J'espère que tout le monde se porte bien et que le week-end vous aura servi utilement pour une raison ou pour une autre, soit pour faire le plein d'énergie, vous couper du monde, vous ressourcer, passer du temps avec les personnes que vous aimez, rattraper du travail en retard ou juste travailler, monter des projets. On espère juste que ce week-end-là a été comme vous le souhaitiez et surtout que vous avez la force d'affronter cette semaine qui démarre aujourd'hui. En tout cas, on est super heureux de vous savoir nombreux, fidèles à ce programme-là et on vous réitère nos remerciements. Une nouvelle semaine et vous le savez, c'est toujours un plaisir de recevoir sur ce plateau des invités avec qui on aborde un sujet qui les concerne mais aussi qui vous concerne. Aujourd'hui, il sera question d'utiliser son corps pour passer des messages, pour travailler, pour. Ils vont nous en dire plus. Eux, ils ont choisi d'être danseurs, chorégraphes. Aujourd'hui, formateurs en plus, ils ont de très belles carrières. Ils vont justement nous parler de leur choix de métier, comment ils arrivent là, comment on en vit, comment on se projette et surtout comment la société reçoit ce choix de métier-là. On a le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Idrissa Kafando dit Vicky. Il est danseur, chorégraphe, interprète et également formateur. Comment ça va? Ouais, tout se passe bien, tranquille, ça va et vous? Ça va également, bienvenue sur le plateau du Loft. Merci beaucoup, merci pour l'invitation aussi. Et juste à côté, je prends mon temps pour ne pas écorcher le nom. On a le plaisir de recevoir Jean-Robert Kudogbo Kiki. C'est bien, bien dit, c'est bien ça. D'accord. Danseur, chorégraphe, interprète et formateur également. Exact. Bonjour. Bonjour. Et comment ça va? Oui, ça va. Merci de nous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de savoir, quand on dit danseur, chorégraphe, interprète, pourquoi on ajoute interprète à la fin? D'accord. Danseur, interprète, il y a danseur, interprète. D'accord. Il y a danseur, chorégraphe. D'accord. Et pourquoi danseur interprète? C'est celui qui interprète, comme on appelle, qui transmet devant un public. C'est-à-dire que lui, il peut jouer le rôle du chorégraphe et il m'appelle moi en tant que danseur interprète. D'accord. Donc il a son sujet et tout. Et en ce moment, voilà, il y a un temps de discussion, il y a un temps de laboratoire sur la scène et tout ça. Et c'est moi qui exécute en fait toute la danse que lui va penser, qu'on va penser ensemble. D'accord. Voilà. Mais lui, dans son rôle de créateur, et moi, dans mon rôle de danseur-interprète, c'est moi qui fera l'interprétation. Donc, c'est l'interprète qu'on verra sur scène. C'est l'interprète qu'on verra sur scène. D'accord. Voilà. Et le chorégraphe, il peut jouer les deux rôles. Le chorégraphe, interprète. Et chorégraphe et interprète à la fois. D'accord. OK. C'est bon. Merci d'avoir mis la lumière sur cette petite nuance-là. Alors, Vicky, c'est comme ça, hein? Ouais. Comment on arrive à la danse? Moi, je dirais de nulle part. OK. Ouais. Comment on arrive à la danse? Déjà, bon, tout ce que je vais dire, ça concerne... Je prendrais toujours exemple sur moi. Mm-hmm. Comment je suis arrivé de là, c'est de nulle part. Mais je n'avais pas envie de me retrouver dans un bureau, en tout cas. D'accord. Ouais. Ça, c'est ce que tu savais. Je n'ai pas envie d'être dans un bureau. Ouais. Je n'avais pas envie de me retrouver dans un bureau. Maintenant, comment je me suis retrouvé dans la danse? Au début, je voulais être chanteur. OK. Oui. Et quand je suis arrivé au Burkina, d'abord, j'ai... vu qu'il y a beaucoup de chanteurs qui étaient d'abord danseurs. Okay. Donc, on dit, ah, donc il faut commencer à danser d'abord. Donc, c'est quand il a commencé à danser, vu que non, en fait, c'est deux choses différentes, mais qui se suivent quand même. Oui. Et donc, je me suis retrouvé dans la danse. Donc, comment on arrive dans la danse? Je dirais que d'abord, c'est une passion qui anime. Et c'est un métier comme tous les autres, en fait. Il faut une formation, il faut beaucoup d'ambition, il faut beaucoup de patience. Et aussi, il faut être très curieux. D'accord. Ouais. Donc, comment on arrive dedans? Je pense que c'est d'abord... la question même qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je veux arriver dans ce truc-là. D'accord. Ouais, parce que c'est pour toi, c'était pour t'approcher de la musique. Ouais, c'était pour m'approcher. Après, j'ai remarqué que non, c'était différent. Ok. Et pourquoi essayer de rester dedans? Parce que je vis une autre chose qui est forte, qui est folle, qui est différente de la musique. Et ça m'a permis aussi de me retrouver dans la musique. D'accord. Comme je le voulais, parce donc que... tu commences avec quel type de danse? J'ai commencé avec quel type de danse? D'abord. Je connais un ami qui dit que nous sommes les danseurs de Michael Jackson. Ça veut dire qu'on a commencé. On a commencé dans la rue déjà. D'accord. À faire tout ce qu'on pouvait. Mais c'est la danse urbaine qui m'a amené dans la danse contemporaine, si on veut dire, dans la danse chorégraphique, en fait. D'accord. Donc,
Au début, on dansait tout seul. Mm-hmm. Et après, j'ai dansé avec des artistes. Jusqu'au fur et à mesure, j'ai fait une formation pour essayer d'être beaucoup plus professionnel. D'accord. Yeah. OK. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Absolument. C'est ton histoire qui nous intéresse. C'est pas l'histoire de tout le monde. Et maintenant, on va s'intéresser justement à l'histoire de Jean-Robert. Comment tu arrives dans la danse? D'accord. Moi, quand moi, j'arrive dans la danse, c'est-à-dire que c'était à un moment où, tu sais, il y a... C'était un moment où c'était le garçon réfractaire, tu vois, et... Je veux plus aller à l'école. Pas que je voulais plus aller à l'école, mais c'était assez chaud et tendu entre mon père et moi. OK. Et c'est l'année, d'ailleurs, où j'arrête le banc. D'accord. D'aller à l'école. Et je me dis, ben, il faut faire quelque chose quand même. Et moi, comme j'avais cet amour pour la littérature, la poésie, l'écriture, et je me suis dit, OK, j'ai envie d'être acteur, j'ai envie d'être scénariste. Et c'est comme ça, je dis, ben, il y a quelqu'un qui me dit, va faire du théâtre, ça peut t'ouvrir des portes, voilà, vers, des portes oui. vers. Donc, je vais dans un groupe artistique où on faisait du mannequinat, du théâtre, de la danse. Et moi, je vais spécialement pour le théâtre. Ben oui. Sauf que, genre, 2 semaines, 3 semaines après, on me dit, OK, ben, il faut que tu fasses la danse. Et je me rappelle que j'étais très dubitatif. Je me suis dit, non, moi, je suis là pour le théâtre. Je ne suis pas venu pour la danse. Je ne suis pas venu pour la danse. On dit, si, quand on te regarde, on sent que tu as des aptitudes de danseur. D'accord. Tu peux y arriver. Vraiment, j'étais dubitatif. Mais je dis, OK, pourquoi ne pas essayer? Du moment que je suis là, il n'y a rien à perdre. Mm-hmm. De toute façon, c'est une découverte. Et du coup, je me lance. Un mois après, je sens que la danse prenait le dessus. Sur le voilà, théâtre. Sur le théâtre et oui. tout. Mais ça... Et après, j'ai laissé le théâtre, mais je pense que ça m'a toujours suivi. Parce que dans mon parcours, dans cette trajectoire-là, il y a eu tout le temps, comme on appelle, une collaboration, soit avec un metteur en scène, un comédien. Il y a toujours eu ce lien-là. Je vais regarder pas mal de spectacles de théâtre. Je lis beaucoup, j'écris. Et j'ai de belles connexions avec les metteurs en scène des comédiens. D'accord. Voilà. Donc, ça m'a toujours suivi. Et okay. même aujourd'hui, quand on crée, c'est des heures de lecture, c'est des heures de recherche et tout. Donc, donc ça va de pair. Pour chacun de vous, il y a une alliance avec quand même une autre forme d'expression. Une autre forme d'expression. Donc, danse et musique, danse et théâtre. D'accord. Donc, toi, tu commences avec quel type de danse? Pareil, hein. C'était la danse urbaine, c'est-à-dire que c'est dans la rue, on regardait des vidéos et tout, même pour apprendre des chorégraphies de Zike, de Michael, de, voilà, de pas mal de chanteurs. Mm-hmm. Tu vois. Et après, tu te rends compte que, parce que tu as les aînés qui sont le reflet en fait, et tu te revois en eux, tu te dis, OK, d'accord, il y avait des aînés comme Souleymane Porgo, qui était du groupe Acrymogène Choc, et on les regardait, et même les Vicky, c'est comme on appelle, c'est un de mes dévanciers. Okay. Donc, eux, ils étaient là comme exemple, qui servaient d'exemple. On a envie de faire comme eux, d'aller vers autre danse. Et moi, ça dit que la curiosité était toujours là parce que j'avais toujours envie d'apprendre, de pousser, de découvrir. Donc, je me suis dit, OK, toutes les danses, de toute façon, la danse, c'est la danse. C'est la parce danse. Que c'est D-A-N-S-E. Donc, que ce soit du salsa, flamenco, hip-hop. Ça reste la danse. Dans toutes ces variantes, oui. je voulais apprendre. Du coup, c'est vrai que ça tombe bien que vous abordiez cette question des différents types de danse. Là, tantôt, il a dit, pareil que toi, commencer avec la danse urbaine, ouais. ensuite danse contemporaine ouais. et autres. Ouais. C'est quoi? Il y a combien de types de danse, si on peut oser dire qu'on peut donner un chiffre à ça? Waouh! Personnellement, je n'ai jamais compté. D'accord. J'ai jamais compté. J'ai jamais pensé à ça. Il y a combien de types de danse? Mais je sais qu'il y en a plein parce que, quand on prend le Burkina Faso même, on a une soixantaine d'ethnies, oui. on a une soixantaine de danses, sinon plus même. Oui. Parce qu'il y a des ethnies où il y en a plusieurs. Mais est-ce qu'on ne dira pas qu'on mettra tout ça dans la grande case de la danse traditionnelle? Je pense qu'il ne faut pas. D'accord. Oui, danse traditionnelle, c'est comme souvent quand on dit, OK, il fait de la danse africaine. Mm-hmm. C'est quoi de la danse africaine? Parce qu'au Burkina, tu as une soixantaine de danses. En Égypte, tu vois, au Cameroun, tu vois, tu as au moins 200 ou 300 danses. Mm. Ethnique, donc quand on dit danse africaine, c'est quoi? C'est ça. C'est... De toute façon, on est déjà afro. Hein. Oui, mais on va se dire qu'il y a des formes d'expression qui viennent d'ailleurs. Qui viennent d'ailleurs, mais en fait, la particularité de la danse de création ou bien danse contemporaine, c'est qu'avec toutes ces danses-là, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'inspire de toutes ces danses-là. Mm-hmm. Soit on la transpose comme telle qu'elle est, ou
on fabrique autre chose avec. D'accord. Mais quand même, à un moment donné, vu qu'on décide de se spécialiser dans une forme de danse, où est-ce qu'on se dit, je suis danseur, mon corps est un instrument, peu importe, je m'exprime? Ah, moi, je dirais que ça dépend de tes capacités. D'accord. Ouais, parce qu'il y a d'autres qui ont des corps non limites. OK. Ouais. C'est vrai. Il y a combien de styles de danse? C'est comme on le sait, il y a la danse traditionnelle, il y a la danse contemporaine, il y a la danse hip-hop, il y a la danse classique, il y a. Tu vas trouver des danseurs qui savent faire tout ça. D'accord. Tu vois, non? Donc, en même temps, moi, c'est une chose que j'apprécie beaucoup parce que autant tu sais faire plusieurs choses, le mieux c'est pour toi. Ben voilà, oui. Donc ça veut dire que tu n'as pas de limite et puis voilà. Mais est-ce que c'est réaliste? Ouais. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Je dirais que oui. Il y a des gens qui peuvent le faire, je dirais que oui. Parce que moi, je ne peux pas. D'accord. Voilà. Moi, je sais seulement que je suis né de la danse urbaine. J'ai fait la formation en danse contemporaine. Et aussi, j'ai fait un peu de hip-hop. Mm-hmm. Voilà. Donc, un peu, je m'en sors dedans. Voilà. Donc c'est un peu ma limite comme ça. Sur ces types-là. Voilà. C'est d'accord. Ça un peu. Et c'est quoi les danses de prédilection de Jean-Robert? C'est un peu similaire parce que des danses urbaines, j'ai fait du hip-hop aussi, un peu de crump. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est une danse. Parce qu'en qui... fait, on n'est pas trois danseurs, quoi. Voilà, oui. Mais le, comme on appelle le crump, le crumping, ça vient des États-Unis, en fait. Voilà, oui. C'était une forme de. Ça vient comme une révolution, une forme de revendication. Une danse d'expression. Voilà, une danse d'expression, en fait. Comme voilà, où on revendique avec colère, avec rage et tout. Voilà, c'est très expressif. Okay. Et donc, il y a ça, le hip-hop, le crump, après, toutes les, presque les danses urbaines, en fait. D'accord. Tout ce que je pouvais toucher, voilà, c'est plus ça. Et dans mon parcours, c'est vrai que même chez Vicky aussi, on a eu à apprendre quelques danses traditionnelles. Donc, ça reste très ouvert. D'accord. Ouais. À quel moment, Vicky, tu te rends compte que je vais vivre de la danse? À quel moment c'est clair dans ta tête, je vais vivre de la danse? Lorsque hey Steph, ça c'est une question. Parce que malgré qu'on le fait là, souvent tu es là le matin et puis tu te dis qui t'a mêlé dans ce truc là. Malgré qu'on est dedans à 100%. Mais je pense que et pour moi c'est d'abord l'envie du partage, ouais, qui fait que non, je dis j'ai envie de vivre de ça parce que. Et on a tous des expériences très différentes. Et la danse, ça va dans tous les sens avec tous les danseurs. Mmh. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup partager, par exemple. Et ça fait que quand tu commences à partager, c'est-à-dire à mettre des gens sur scène, à chorégraphier, si tu veux, tu te retrouves avec beaucoup de tâches. Donc, tu vois, en fait, que chaque jour, tu as du travail. Mmh. Tu ne peux que penser à ça. À ça. Donc, en fait, ça devient quelque chose... Là, c'est même plus une passion, hein. Ça devient un travail. Mm-hmm. Ouais, ouais. Et quand ça devient un travail, donc c'est clair que non, tu dois vivre de ça. Absolument. Parce que tu ne fais que penser à ça. Et c'est ça qui est là, en fait. Et ça, c'était à peu près quand? Ça a commencé, je dirais... D'abord, j'ai commencé, comme il avait dit déjà, il y a une chose, j'ai commencé avec... On a commencé à danser avec Michu de Génération 2000. Oui. Mm-hmm. Et c'est grâce à lui, on a connu Soul Père, son homme, à Cribillon Choc, qui nous a embarqué dans un bateau. Et après, on est tombé sur la vieille mère Irène qui nous a menés dans Titanic. Et puis, c'est parti comme ça. Oui. Oui. Attends, c'est quoi la question là, pardon, s'il te plaît? Justement, à quel moment tu te rends compte que là, c'est je vais vivre voilà. De la danse? Donc, c'est monté comme ça jusqu'à ce que, après, je me suis rendu compte que je ne faisais rien si ce n'est pas ça. Oui. Et c'est la chose qui me permettait de m'habiller, d'exister, de vivre. Et, tu vois. Donc, ça a commencé aux années 2005. D'accord. Après mon premier voyage en Europe, je me suis posé la question pour dire, bon, où est-ce que j'ai envie d'aller dans tout ça? Parce que là, j'étais en troisième, ça n'a pas marché. D'accord. Il n'y a pas les deux, pas les gens vont. Après, c'était chaud avec les parents. Donc, vraiment, c'est à partir de 2005, je me suis dit que non. Je pense qu'aujourd'hui, on se demande, mais bon, si ça avait marché, où tu serais? Tu ne serais peut-être pas là. Et on est heureux de t'avoir là. Non, même si ça avait marché, je serais là. Parce que dès le départ déjà, tu savais. Je ne me voyais pas dans un bureau. D'accord. Oh, ouais. Mais j'ai envie les gens qui sont dans les bureaux parce qu'on les approche avec des dossiers pour qu'ils n'ont qu'à valider un peu. C'est ça, nos Frère projets. Ouais. Mais vous aussi, vous validez des projets, non? Beaucoup. Si. Ah bah oui, donc il y a des projets. Quand Vicky ne dit pas que ça passe, pas de mise en scène possible, t'inquiète pas, on va travailler sur un autre projet. Voilà. Alors,
pour Jean-Rosé, à quel moment on sait que là, ouais, ma vie sera la danse, je vais vivre de la danse? Je pense que c'était en 2007-2008. D'accord. Et je suivais une formation à l'ATB. Et en même temps, j'assistais à un autre danseur qui donnait des cours, des ateliers de danse là-bas. Et c'était en 2008. Et en août 2008, il y a le directeur de l'ATB, Prosper Compaoré, qui m'appelle, qui me dit « Ok, on a une comédie musicale qui doit tourner en France et au Luxembourg. Et je veux que tu chorégraphies, tu trouves d'autres danseurs. » Et à partir du moment où je me suis dit « Waouh, quelle responsabilité, moi le petit, je dois faire que ça. » Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. Donc c'était vraiment un défi. Voilà, 2008, c'était une petite expérience, tu vois, j'étais, voilà, je cherchais en fait à me trouver. La porte d'entrée. La porte d'entrée et tout, et puis on me dit, ok, on me... En fait, tu cherches la porte pour entrer justement, et on te donne la maison. On me donne la maison, ok, d'accord, peins comme tu veux, mais il faut que ce soit bien. Oui. J'appelle mes éléments et tout, on commence la création, et après, en décembre, on me dit, ok, il y a un voyage. Le voyage était là maintenant. Il fallait chercher les visas, tout était OK, on devait partir. Il dit, OK, je vais partir. Je vais revenir. Après, il faut que je reparte. C'est ça. Là, c'est chaud. À partir de ce moment, je me dis, OK, la danse, c'est beaucoup de responsabilités. Et je voyais toute la rigueur qu'il y avait dedans, toute la préparation, en fait. Tu vois? Et le déclic est né à partir de ce moment-là. Et de voir aussi que quand on voyageait, il y avait tout, pendant les scènes, tu as tout un public qui est là, qui te regarde. Je dis, OK, on va sortir devant ce public-là, on va dire quelque chose. Et c'est à ce moment que je me suis dit que, depuis 2008, je me suis dit, danser, c'est de répondre à l'honnêteté en essayant d'être le plus honnête possible, en fait. Parce que si on n'est pas honnête, on ne peut pas être là devant un public pour lui raconter quoi. C'est ça. C'est ça. Bah, surtout que ça te ramène, on va dire, un peu dans l'univers du théâtre. Tu te retrouves quand même sur scène avec tout le public qui attend que tu livres le message. C'est ça. La plus grosse scène que tu aies faite de ta carrière, c'est quoi? La plus grosse scène, il y en a plusieurs. D'accord. Pourquoi plusieurs? Malheureusement, maman ne m'a pas pu vu danser dans un spectacle. Elle m'a vu danser. Oui. Parce que lors de ses 40e anniversaire, il y a très longtemps, on a fait un show pour elle et tout, une chorégraphie pour elle. Mais elle ne m'a pas vu en spectacle. Ouais. Mais papa, c'est pour ça que je dis il y a deux. D'accord. Il y a deux moments. En 2017, papa, il m'a vu sur scène pour la première fois. Ça, c'était à Ouaga. Okay. Donc, ça, c'était l'une de mes plus belles scènes. D'accord. Après, internationalement parlant, il y a eu le Barbican à Londres. OK. Où, à Londres, quand on te dit le Barbican, pour un black, pour un noir qui doit jouer là-bas, à Londres. C'était à Londres, c'était exceptionnel. Et ça, c'était avec la compagnie Faso Danse Théâtre, avec Serge Emile Koulibaly, des danseurs d'exception comme Sigé Sayouba, Adonis Nebier. C'était vraiment voilà, édifiant. Ça restera incroyable. Là. Ça restera là. Oui. Pour toujours. Pour toujours. Et il y a la Villette aussi à Paris. Oui. Où voilà, tu regardais et puis le chorégraphe m'a dit ce jour-là, Roby, comme c'est toi qui commences le spectacle, il faut essayer de te déployer au maximum. Peut-être tu fais 1m80, là tu dois faire plus de 2m. Parce que la scène est extrêmement grande, tu vois, et lointaine, donc il y en a qui sont... Il faut que ceux qui sont au fond te voient. Voilà, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Ouais. Et pour Vicky? Pour moi, je dirais qu'il y a, trois scènes. D'accord. Et la première scène d'abord, c'est... aux États-Unis, on a fait une chorégraphie avec une chorégraphe américaine qui s'appelle Carol Armitage et c'était au BAM. BAM, c'est Brooklyn Academy Music. Et donc, ça s'est passé là-bas. Et il paraît que danser là-bas, ce n'est pas du jeu. Il dit ça comme s'il n'est pas au courant. J'étais pas au courant. Donc, toi-même, tu danses, mais après, tu te poses la question, frère, est-ce que tu es en train de tuer? Parce que là, il faut que... Là-bas, tu es ici, c'est grave. C'est pas bon. Et après ça, il y a une scène que, en Italie, dont j'ai oublié le nom de la salle, mais c'est dans un opéra, c'était à Catania. C'est vraiment dans une grosse salle de théâtre. Et la troisième scène, c'est à l'Institut français, ici. J'ai dit c'est la troisième scène parce que là, c'est là où il y a une de mes pièces qui est passée. Ah. Et là, je regardais ma chorégraphie être en train de danser. Donc pour moi, c'est une première et ça rejoint
Mais absolument. Au calme. Naturellement. Ouais. D'accord. Donc, c'est ça un peu. Il y a plusieurs étapes dans la vie d'un danseur. Quelles sont ces étapes-là? Dans la vie, bon, je vais parler. Bah, on va dire dans l'évolution. Oui. Oui, de la carrière d'un danseur. D'abord, dans la carrière, il faut commencer. C'est d'abord la formation. Mais avant la formation, c'est ce que j'avais dit d'abord, c'est le questionnement. Pourquoi tu as envie de danser? Et pour moi, si tu arrives à trouver la réponse qui est oui, là, tu peux commencer à danser. Si tu n'as pas encore trouvé la réponse, il faut toujours te questionner. D'accord. Ouais. Donc, pour moi, c'est d'abord la première chose d'abord. Pourquoi tu veux danser? Et là, après ça, maintenant, il y a la formation. Et de nos jours, il y a la formation qui dure 2 ans, il y a la formation qui dure 3 ans. Et pour moi, c'est la deuxième étape où tu finis une formation. Et la formation, ça te permet de... C'est comme un enfant qui naît. D'abord, l'enfant ne sait pas s'asseoir. C'est ça. Et après, ça, tu fais 4 pattes. Et après, tu marches et après, tu cours. C'est ça. Donc, c'est ça un peu le stade de la formation. Jusqu'à ce que tu arrives à sortir, on peut dire maintenant, tu es prêt à danser. Pas que tu devais danser. Maintenant, tu es prêt à danser. Oui. Et c'est après la formation maintenant que je me dis, tout ce que tu as envie de faire doit venir de toi. Pour moi, c'est la grosse étape parce qu'il n'y aura personne devant toi maintenant. Je dis personne, c'est trop dit. Il n'y aura pas quelqu'un devant toi pour te dire, il faut faire ça, pour te donner des consignes. Mais pour moi, c'est tout le bagage que tu as pu emmagasiner là, que tu essaies de mettre en évidence. Et pour moi, c'est vraiment la plus grosse, on dit une étape, non? Oui, oui. La plus grosse étape parce que si ça n'a pas marché, tu peux passer à autre chose. Parce que c'est l'étape à laquelle tu te retrouves souvent seul ou tu te retrouves à ne rien faire. Parce que tu as fait 3 ans où chaque jour, tu avais des gens devant toi pour te disaient, pour te donner des choses. Maintenant, tu te retrouves peut-être seul. Ou tu pensais aussi que si je finis ma formation, je serai dans un grand projet. Ok, toi-même, tu as un projet même qui n'a pas de limite. Ça dépend de comment tu essaies de développer ça, de fouiller. C'est une question de perception. Ouais. Donc, pour moi, c'est la plus grosse étape, en fait. Et là, en ce moment, ton destin est entre tes mains. Clair. C'est en fonction de ce que tu vas en faire que tu dessines ta carrière. Tu vois, et pour moi, quand tu n'as pas, si tu n'es pas pensé et très réfléchi, tu vas passer à côté, tu vas dire ton destin se trouve dans la main de quelqu'un d'autre. Or, c'est faux. On apprend beaucoup par ses erreurs. Et moi, j'ai beaucoup appris par mes erreurs, donc c'est une chose que je vais dire. Un exemple? Par mes erreurs? Oui. Il y en a beaucoup d'erreurs. Juste. Il y en a beaucoup. Dans ce milieu-là, c'est que j'étais... Une erreur que j'ai faite parmi toutes les erreurs, c'est que j'étais... entre-temps, je ne sais pas si je devrais penser que j'étais danseur. Je ne savais pas où me situer entre la danse et autre chose. Et autre chose qui n'était rien, en fait. D'accord. Ça dit que je me disais danseur, mais je n'étais pas engagé. D'accord. Oui. Mais je me disais danseur. Mais je n'étais pas engagé. Parce que je ne faisais pas les choses pour moi-même. Je ne pensais pas. Et puis, j'étais vraiment décalé. J'étais vraiment décalé. Et je peux dire... Et qu'est-ce qui t'a ramené? C'est ça. Il y a l'une des personnes qui m'a ramené. Je pense que il fait partie de ces personnes-là, Jean. D'accord. Oui, il fait partie de ça. Et je lui dis ça souvent, mais il dit non, c'est pas ça. Oui, il a. C'est vrai, parce que c'est un mot qui te fait ramener dans quelque chose. Oui. Ou bien c'est si on n'a pas l'enfant qui était ici. Mais l'une des personnes qui m'a ramené, c'est lui aussi. D'accord. Et il a fallu que j'ajoute aussi ma volonté. Absolument. Et mon engagement. D'accord. Donc c'est ça. Donc frère. On est ensemble. On est ensemble. J'aime ça. Alors, donc, ensuite, là, clairement, on prend une décision et on se donne les moyens. En ce moment, c'est vraiment personnel d'aller. Et là, on peut dire qu'on a fini la formation, on est danseur. Mais il n'y a pas que ça. Non. Il reste quoi? Tu veux parler? Oui, je veux parler. Je ne veux pas redire ce qu'il a dit. Voilà, juste pour embellir encore plus. Ouais. C'est que... Moi, par exemple, j'ai suivi une formation 3 ans aussi, tu vois, de 2010 à 2013, début 2013, à la Terre Métia. Et tu vois, quand je finissais, il y avait tout un tas d'inquiétudes. Parce que je me dis, OK, est-ce que je vais avoir des projets? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc, tu penses au devenir. À l'être et au devenir. OK, qu'est-ce que je vais devenir? Et après, tu vois que vous finissez peut-être à 24 ou 25 personnes et il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui arrivent à sortir du lot, à commencer à avoir des projets. Et pour certains, il y a certains qui sont dans l'attente.
Donc, c'est là où c'est dangereux. Et c'est là aussi, tout, au début, il a parlé de patience. Oui. Dans notre métier, il faut beaucoup de patience. D'accord. C'est beaucoup d'acharnement, beaucoup de patience, vraiment. Ça, c'est important. Parce que sans ça, tu ne peux pas y arriver. Et après, c'est-à-dire qu'au-delà même du danseur, il y a l'homme aussi. Il y a l'homme aussi. Pourquoi l'homme? Parce qu'aujourd'hui, quand je pense même pas danse, quand je dis je ne pense pas danse, quand je suis dans, tu m'appelles pour un projet, moi, je suis qui? J'apporte quoi? Quel est mon rôle? C'est quel personnage? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ma société, à la nation, à la communauté, je sais pas, au monde? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est les citoyens du monde. D'accord. Mais ce n'est pas le danseur d'abord. Après, le danseur, c'est comment on appelle? Faut ça, parce que c'est un spectacle de danse. Bien sûr, mais bien c'est d'abord, vraiment, c'est par citoyenneté, c'est l'homme. Donc, un projet qui ne te parle pas, où tu ne te retrouves pas, ce n'est pas forcément un projet sur lequel Ce n'est pas forcément un projet sur lequel je vais m'aventurer. D'accord. Voilà. Mmh. Je suis à cet endroit aujourd'hui, mais c'est pour ça, ça dit que c'est du temps. Bah, j'ai parlé de patience, c'est un parcours, en fait. C'est un parcours. La dernière fois, je parlais à des danseurs, pas des danseurs, mais des étudiants en théâtre, où je devais parler de mon expérience. Je disais, aujourd'hui, je me définis comme un poète. Pas un poète qui écrit forcément, rimes, voilà, oui. Mais un poète, c'est-à-dire que, qui joue, qui interprète, qui parle avec son corps. Son corps. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que l'on comprend ta poésie de ton corps ou pas? Est-ce qu'en face, tu as l'impression d'avoir un public? Je pense qu'on comprend. D'accord. Je pense qu'on comprend. Même si on ne comprend pas, on ressent des choses. Mais je le dis en toute humilité, sincèrement. En 2014, il y a un chorégraphe congolais, Andrea Wamba, qui m'a dit, toi, c'est comme ça qu'il parle, toi, tu es un acteur. Tu es un acteur. Tu n'es pas un danseur. Tu n'es pas un danseur. Okay. Et en 2018, il revient à Ouaga, où il suit la pièce Kirina, au récréatral. Il me dit, toi, je t'ai dit, tu es un acteur, tu n'es pas un danseur. Mais tu vois, tout est question d'endroit. Oui. Là où je me place. Mais jusque-là, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je commence à comprendre pourquoi. On dit de toi que tu es un acteur. Que je suis un acteur, que je ne suis pas un danseur, que je suis un acteur. Parce que ça a un autre endroit. Mais il faut du temps pour la personne. Comme quoi, la première fibre qui t'a amené à la danse est bien là, ancrée. C'est ça. Tu es parti pour du théâtre, tu es quand même acteur de théâtre quand tu es sur scène pour interpréter la danse. Alors, justement, parlant de la danse comme métier, comment on le voit, on a posé la question à nos téléspectateurs. Certains sont danseurs, d'autres sont juste des adeptes de la danse. On écoute leurs éléments de réponse et on revient. J'ai été inspirée par la danse depuis mon enfance. Déjà à travers les artistes, les chorégraphies, ça me plaisait de les voir danser à la télé et tout et tout. Oui, selon moi, on peut vivre de la danse. Parce que la danse, bon, c'est une activité qui peut pousser quelqu'un à aller très loin. Parce que la danse même est quelque chose que non. Si tu l'as prise au sérieux, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider dans la vie. Tu vas faire beaucoup de découvertes. Faut pas que les gens vont croire que ce n'est pas un métier. C'est un métier. Ça remporte aussi. Il y a les gens qui vivent dedans, qui nourrissent leur famille dedans. C'est comme ça l'art. Sans la danse aussi, souvent, on voit que la culture n'avance pas sans la danse. La danse fait partie de la culture. Donc moi, en tout cas, l'ancien, j'ai dansé pendant 6 ans, 7 ans à l'école de musique. J'ai fait le chorégraphe. Mais aujourd'hui, je sens que parmi mes frères, ils ont réussi dans la danse, qui sont à l'extérieur. Moi, la danse, vraiment, j'ai tourné un peu. J'ai vécu, j'ai eu un peu de la chance dedans. Pour réussir dans la danse, il faut se concentrer. Déjà, comme c'est une passion, on peut réussir dedans. Ça dépend. Puisque au Burkina, ici, il y a des danseurs qui vivent uniquement de la danse. Mais maintenant, tu peux faire la danse et faire autre métier. La danse peut être un métier aussi pour des gens aussi qui sont passionnés de la danse, vous voyez. Parce que l'art aussi, c'est un métier. Il y a des gens qui exercent l'art pour pouvoir vivre. Donc, la danse aussi, c'est un métier, quoi. La danse est bien, mais maintenant, particulièrement au Burkina Faso, la danse n'est pas valorisée, vous voyez. C'est ça le problème aussi. Beaucoup de danseurs se nourrissent dans la danse. Et la danse est considérée comme un métier. Oui, on peut utiliser la danse comme un sport. Dans notre domaine, on a beaucoup de... Comme on a l'aérobic, on a l'afro-doum et on a plein d'autres mouvements encore qu'on peut utiliser aussi en faisant la danse en même temps. C'est maintenant que les gens commencent un peu à s'adapter
à rentrer un peu dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de fitness. Le métier de danseur aussi est vu un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on a de l'avantage parce que beaucoup sont ceux qui dansent, mais qui ne sont pas aussi diplômés, qui font beaucoup de chorégraphies, qui font beaucoup de belles choses, mais qui n'ont pas encore la chance de pouvoir côtoyer de grandes scènes. Mais déjà, ce qui est encore plus bon, c'est que la danse aujourd'hui a pris un ampleur, un envol que beaucoup d'autres secteurs aussi n'ont pas. À vrai dire, la danse peut nourrir son homme. C'est comme tout autre métier. Quand on le prend au sérieux, bien agrémenté, bien coordonné, on vend plus de bons produits. La danse peut faire vivre son homme. Alors, quelqu'un l'a dit, au Burkina, la danse n'est pas assez valorisée. J'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. Moi, je crois que les choses sont en train de changer. D'accord. C'est vrai qu'à certains endroits, voilà, on dira, OK, les danseurs, c'est des bouseux, c'est des moins que rien. Mais je crois qu'il y a un travail qui se fait depuis, c'est-à-dire que ces 10 dernières années, quand on prend, c'est-à-dire que ces 12 dernières années même, il y a vraiment, les choses se déploient parce que quand on prend au Burkina Faso, malgré que les gens se disent que la danse, peut-être certains se disent que ce n'est pas un métier, au Burkina Faso, tu as 3 institutions de danse qui forment des danseurs. Tu as l'école de danse Irène Tassambedo, tu as Ankata Abobo-Dioulasso, et tu as le centre de développement chorégraphique, la Terre Métière, qui est là. Donc, et ces écoles-là, ces centres-là ont commencé à former dans les années, officiellement, c'est-à-dire qu'en parlant d'école de danse, dans les années 2009-2010. C'est ça. Donc, on a pas moins de 200 personnes qui ont été. Qui sont passées par ces écoles. Même si d'autres ont arrêté un moment. Tout à l'heure, Vicky disait, ça dit qu'à un moment donné, tu peux changer. Tu peux aller vers autre chose. Mais le point gagnant dans tout ça, c'est que ça responsabilise. Ça te donne de l'autonomie. Et ça, c'est important quand même de savoir. Mais aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'on a un meilleur regard sur le danseur? Si, moi je le pense. Oui, et pour rejoindre, pour donner une petite réponse aussi à cette question, la danse n'est pas valorisée là. c'est... Parce que, regardez, dans presque tout ce qu'on fait, il y a la danse dedans. Je veux dire événement comme cérémonie, comme. Donc en fait, je dirais que c'est valorisé. Mais en fait, c'est le danseur qui... Donc la valeur du danseur n'est pas très... prise au sérieux. C'est pas tant la danse que le danseur. Est-ce que tu vois, donc c'est deux choses qui sont très différentes, à mon avis. Si, je comprends. Parce que la danse n'est pas valorisée, mais c'est le danseur souvent. D'accord. Et parfois, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est parfois tu le trouves devant et dans une chose où c'est pas ce que tu souhaiterais qu'on te donne. Et donc pour moi, ça perd en valeur. D'accord. Tu vois. Et c'est pas seulement dans la danse aussi, c'est dans tous les métiers. Bah oui, c'est vrai que dans tous les métiers, on peut se retrouver à être moins bien payé que ce qu'on espérait. Et tu vois, et pour moi, le vrai, là n'a pas de prix. Bah oui, c'est clair que... Et si tu vois, donc, un gros travail, tu peux le faire cadeau. Un petit travail, tu peux le faire à coup de millions. Donc tu vois, est-ce que la danse n'est pas valorisée? C'est très valorisé. D'accord. Non, ça n'a juste pas de prix et on ne peut pas définir vraiment la valeur. D'accord. Non, parce que c'est de tu vois, non. C'est fort. Absolument. Mais ce que je veux savoir quand même, c'est comment la société burkinabé regarde quelqu'un qui se présente en tant que danseur? Moi, je dirais ça dépend de quel genre de danse tu fais. D'accord. Oui, parce que d'abord, il y a ce qu'on connaît rapidement, c'est la danse urbaine, traditionnelle et la danse contemporaine. Contemporaine. Ouais. Comment la société regarde un danseur urbain? Moi, je dirais qu'ils vont... C'est ce qu'ils aiment voir. C'est ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est une chose qu'ils vont toujours acclamer. La danse traditionnelle, oui. Mais notre affaire de danse contemporaine, là... Quand tu amènes ça, déjà, c'est chaud. Donc, comment la société regarde ça? Moi, je me dis, concernant ce côté-là, c'est une chose qu'ils sont en train de découvrir. Parce que de nos jours, il y a plus de personnes qui sont intéressées à voir ça. Ouais. Et ça les beaucoup pose des questions, par exemple. Et tu vois,
Maintenant, il y a la Journée internationale de la danse qui vient de passer. Oui, oui. C'est une chose qui nous permet, par exemple, d'étaler la danse hors de la scène, dans les rues, dans les... partout, pour que les gens puissent voir plus, pour qu'ils puissent s'imprégner de ça. Mais si c'était, par exemple, la danse urbaine, que j'ai pris de la danse qu'on fait dans les clips, par exemple, vous allez voir même du monde qui vont acclamer, qui vont. Absolument. Ouais, un peu. Donc, en fait, pour moi, ça dépend de quel type de danse, en fait. Donc, la danse urbaine est plus proche du... de la... Je dirais. D'accord. Si, si. Yeah. Si. Et puis, après... Je crois que la danse contemporaine ou danse de création, elle est très jeune. C'est-à-dire que la dernière fois, je demandais à un doyen, au Burkina, en fait, la danse contemporaine, c'est depuis quand? Et il m'a dit dans les années 93, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas 30 ans. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas 30 ans, ça fait 28 ans. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... C'est récent. On découvre. Et ça reste... C'est ça. Et, mais les mentalités changent parce qu'avec ces institutions de danse, et avec les acteurs qui sont là, tu vois, on a des aînés, tu vois, les exemples sont légion, hein, on a des aînés comme Salia Sanou, Cyril Bourro, Serge Aimé, Irène Tassambedo, qui ont su implanter certaines choses. Et puis il y a nous aussi, notre génération qui est là, et les gens ils voient, ok, c'est des gars qui tournent dans le monde entier. On commence à respecter, à regarder avec un autre œil. Quand tu commences à tourner, c'est sûr qu'on se dit, ah, il a été en Europe, exactement, il a été en Amérique et tout ça. Mais quand je parle de la communauté, je parle aussi de vos familles. Comment les familles accueillent ce choix de carrière-là? Vicky a fait un large sourire quand je parlais des familles. Moi, maman, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle dit seulement que je danse, mais elle ne sait pas que tu t'es... Ah, elle sait même pas ce qu'elle. Je sais que, par exemple, ma famille, elle sait, ma maman sait qu'elle danse. Oui. Et ma femme, elle a une petite idée de ce que c'est. À part ça, là, frère, c'est plié. Ils ne sont pas. Ils ne savent pas exactement. Pas exactement. Quand tu dis danse, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, danse, oui, mais danse contemporaine, tu vois. Contemporaine, quoi. Je ne pense pas vraiment. Qui comprend? Je ne pense pas vraiment. Quand tu me disais une chose, tu disais une chose tout à l'heure, tu parlais des parents et autres là. Ça m'a inspiré, je me suis dit, mais attends, ça serait une occasion même de faire, de, et puis de les amener. Pour qu'elles puissent voir, tu vois, non? Parce que, et beaucoup d'entre nous le font maintenant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils créent leur pièce et il y a le papa ou la maman, ben, tous les deux sont là. Mm-hmm. Et après là, le spectacle, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'émotions. Mm-hmm. Le papa ou la maman sait maintenant, voilà ce que comprends tu fais. Mieux. Et ils adaptent encore plus. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est la prochaine demain, ça suit pour moi. Quoi. D'accord. Yeah. Moi, je sais qu'au départ, c'était archi compliqué. C'était vraiment difficile, difficile. Parce que, non, tu es sûr que tu veux danser, Robert? Je dis, oui, je veux danser. OK, d'accord. Une fois, mon grand-père il m'a dit, Robert, c'est ce que tu veux faire vraiment? Je dis, OK, d'accord, que Dieu te bénisse. D'accord. Ah, tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Ça veut dire ce que ça il veut a envie dire. De respecter ouais. ta décision, non, mais il s'inquiète quand il même. Il s'inquiète parce qu'il ne oui. sait pas ce que c'est. Frère, mon papa voulait qu'il sache sa paix pompier. Il ne sait pas. Et aussi, j'essaye de comprendre. Je comprends même parce que quand tu as un fils ou tu as un enfant qui a de bonnes notes en classe, mm-hmm. et qu'à un moment, cet enfant-là, il dit, OK, il laisse tout pour aller vers... l'inconnu, c'est difficile. C'est difficile. On se dit, est-ce qu'il ne va pas se casser la figure plus tard? Est-ce qu'il va pas se casser la figure? Mm. Tu vois, et donc, il y a le doute. Il y a le doute. Mais à quel moment ils sont tranquilles, se disent, oui, il a trouvé sa voie, il s'en sort? À quel moment, moi, j'ai toujours dit à mon père et à ma mère, en fait, ça dit que si tu n'entends pas, le petit, là, il a volé quelque part, ou bien il a déconné. C'est que ça va. C'est que ça c'est va. C'est que je fais bien les choses. C'est que je fais bien les choses. Mm-hmm. Et aussi, quand j'ai décidé de faire ce métier-là, je me suis dit non, je ne vais pas fumer, je ne vais pas boire. D'accord. Même si aujourd'hui, ça m'arrive quand même de siroter un peu de vin. J'allais dire ça. Mais au départ, mais aujourd'hui, vraiment, tu peux te le permettre. Aujourd'hui, parce je peux qu'on me te le permettre plus, parce qu'il voilà, y a la confiance. Il n'y a plus la connotation de oui, c'est la danse. Parce qu'en fait, justement, mais pendant 10 ans, j'avais non, pas de cigarette, pas de... Je ne fume toujours pas, voilà, d'ailleurs. Et, tout. Et ça, ces regards l'ont changé. Et quand, c'est-à-dire que moi, au départ, on m'a vu danser avec des artistes chanteurs, mm-hmm. dans des clips, avec Emilio et d'autres personnes. OK, d'accord. On vient, on dit, ah, on a vu ton petit dans le club. Après, il me dit, ah, je t'ai vu à la télé. Mm-hmm. OK. Tu sens qu'il commence à comprendre. Oui, un peu. Après, je dis, papa, maman, je dois voyager. Tu vas où? Je vais en Europe.
je vais danser. Le regard est changeant. Mm-hmm. Le regard est vraiment changeant. Et on te voit que tu continues dans ça. Il y a autour de toi même, il y a une certaine organisation. Il y a vraiment le respect encore plus grand. Et on voit que non, c'est un autre homme. Oui. Mais un autre homme vraiment, ça dit que au bon sens du terme. Et on va, ok. On c'est peut un respecter. Vrai métier qui et fait, moi, j'ai fait un travail, c'est-à-dire que j'arrive à, je suis parvenu à inviter, à mener mes parents, voir mes spectacles, des spectacles où je dansais, des sœurs, des cousines. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, tout le monde, il y a des sœurs qui me disent « Ah, tu joues pas ?» Tu joues on veut venir te voir sur scène. Donc il y a, ça a changé les choses. D'accord. Alors, quand on dit gagner sa vie dans la danse, en général, enfin dire de façon classique, quand on a un métier, on a des horaires de travail, on se lève à telle heure, on descend à telle heure, on a tel salaire. Voilà, pour le danseur. Mm-hmm. Comment ça se passe? À quoi ressemble une journée type d'un danseur? Est-ce qu'un danseur a un salaire? Comment on gagne sa vie en tant que danseur? Un danseur. Il a un salaire quand il travaille. D'accord. Quand on parle de salaire financier, lucratif. Absolument. Il a un salaire quand il travaille. Oui. Après, comment est-ce qu'il vit? Je pense que prenons juste les phases de création, de recherche, voilà, de laboratoire. Tu as 8 heures par jour. D'accord. C'est-à-dire une création normale dans les normes, tu as 8 heures par jour. C'est-à-dire que si on commence de 9 heures à 13 heures, on fait une pause. À 14 heures, on reprend, ou à 15 heures, jusqu'à 19 heures. Donc, tu as vraiment 8 heures par jour. Donc, quand tu prends, et j'aime dire ça, c'est-à-dire que quand tu prends 8 heures fois 5 dans la semaine, ça te fait 40 heures. Et c'est les 40 fois 3 mois, non, 40 fois 4, c'est déjà pour les le mois. Imagine on ne m'envoie pas dans des calculs de mathématiques, voilà, s'il te plaît. Tu as commencé à compter, compte seul jusqu'au bout. Mais on est quand même dans les horaires classiques. Dans les horaires 8 heures par jour, 40 heures par semaine, c'est ce qui se fait, oui. Ouais. Et c'est ce qui se fait beaucoup. D'accord. Maintenant, la création, c'est l'endroit où tu peux aussi gagner, voilà. C'est-à-dire que beaucoup. Donc, en ce moment, tu as un salaire à la fin du mois. Tu as un salaire à la fin du mois et tu as un salaire journalier pour tes défraiements. D'accord. Aussi. OK. Voilà. Il y a des défraiements qui sont à part, et tu as le salaire aussi de la création. Pour la création, d'accord. Voilà. Okay. Si ça dure 3 mois, tu es payé chaque mois. Voilà, pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois aussi, tu as tes défraiements. D'accord. Voilà. Et le cachet aussi est différent. Quand tu joues, tu as une prestation, une représentation, par date, tu es payé. D'accord, ok. Et ça, c'est le bon côté. C'est le bon côté. C'est quand c'est quand tout, quand est, tout est bien fait. Quand, ouais. Voilà. Quand c'est pas bien fait, là. Pouah. En fait, il faut taper à toutes les portes. C'est le côté où tu dois être créatif. Mm-hmm. Oui, par exemple, avec tout ce temps de COVID, par exemple, comment on a fait pour exister? C'est ça. Ah, c'était chaud. Ça dit, il n'y a rien. Donc, comment est-ce qu'on a pu exister? Comment? Il y a ces périodes qui arrivent, par exemple, où tu sais où il n'y a pas de création, où il n'y a rien de rien, et bon, tu sais que tu as les économies finissent. Maintenant, comment arriver à vivre de ça? Je pense que toi-même, tu te mets à créer quelque chose qui n'existe pas. Oui, ça veut dire que pour un RN, peut venir frapper à votre porte de semaine pour dire à BF1, pour votre émission de « Est-ce qu'on ne peut pas faire danser un peu les invités ?» Et vous allez trouver que c'est une bonne idée et ça va passer. Donc, ça dit, il n'y a pas de… Il faut souvent, se surpasser. Il faut se surpasser, il faut créer pour pouvoir exister. Mm-hmm. Parce que c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on veut faire. Donc, il faut créer. C'est ça. Ouais, et pour pouvoir, et il faut que l'apport aussi soit balèze, sinon il n'y a pas de raison pour qu'on le fasse. D'accord. Il n'y a pas de limite. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, c'est que pour l'artiste, pour le danseur, on parle de danse, pour le danseur, quand tu joues, tu es en prestation, c'est là que tu es en vacances. D'accord. Mais sinon, le reste du temps, tu bosses. Tu bosses. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il parlait, j'ai une idée ingénieuse là, vite fait et tout, ok, je commence à réfléchir, ça mijote dans la tête, ok, comment est-ce que je dois m'arranger, comment est-ce que je dois peaufiner les choses, placer les choses et tout. Là, tu es en réflexion, tu travailles tout le temps en fait, tout le temps, parce que tu vas lire des ouvrages, tu vas regarder des films pour t'inspirer, des documentaires, tu vas même voyager pour aller t'instruire, découvrir d'autres choses, d'autres cultures.
Donc, tu es toujours en perpétuel travail. D'accord. Mais du moment où tu arrives à créer et que le spectacle existe déjà, ben, tu es en vacances. Et en ce moment, il s'agit juste de faire de la représentation. De la représentation. Okay. Justement, comment se construit un spectacle de danse? Okay. C'est quoi le processus de création? Moi, pour ma part, il y a plusieurs et ça va dans tous les sens. Parce que tous les chorégraphes sont différents. D'accord. Clair, tous les chorégraphes sont différents. Pour ce que j'ai déjà fait comme chorégraphie déjà, comment ça se passe? D'abord, il faut vouloir dire quelque chose. Parce que danser, c'est parler. Il faut vouloir dire quelque chose. Ça peut être. Si je sors de prison. Si je sors. Donc, ça, c'est quelque chose que tu as envie de dire. Oui. Alors, tu commences déjà à réfléchir dessus, à écrire et à faire des recherches dessus. À écrire? Oui, à écrire, oui. D'accord. Parce que pour commencer à créer déjà, il faut écrire. Tu crées d'abord ton sujet qui est là et tu réfléchis dessus. Tu réfléchis, tu fais des recherches aussi, donc en fait pour mieux t'enrichir. Mm-hmm. Et après cette phase maintenant, vient la phase où tu essaies d'approcher les danseurs ou le danseur pour lui en parler, pour qu'il puisse s'imprégner. D'accord. Donc, en fait, il y aura un gros échange, c'est-à-dire où il y aura même des débats. Mm-hmm. Parce que lui, vous ne serez pas sur les mêmes points de vue. D'accord. Côté discussion, en fait. OK. Et après ça, maintenant, lorsque tout est posé... Donc, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord avec l'auteur du projet. Justement, s'il faut être juste. Puisque ce que tu es sur scène, c'est ce que tu es au dehors. D'accord. Mais tu ne peux pas amener un danseur à aller faire des choses, quelque chose qu'il ne connaît pas ou bien à laquelle il ne croit pas. Le spectacle aussi sera comme ça. On va regarder pour voir ton spectacle à quelque chose qui est bizarre. Mm-hmm. Mais lorsque le danseur, il vit, ça veut dire que ça devient pour lui. Ce n'est plus pour toi. D'accord. Ouais, donc, je pense que le côté échange avec le danseur, c'est une étape qui est très importante. Okay. Où tu lui fais, où lui-même devient même l'acteur de la chose. Bah, naturellement. Peut-être il est juste le producteur. OK. Yeah. Et quand c'est quand tu n'as plus beaucoup de choses à faire parce qu'il comprend déjà, il suffit de lui donner une petite piste et il va aller chercher ce qu'il faut. D'accord. Et donc, après l'échange, on peut aller maintenant sur la scène. Et quand on va sur la scène, toi qui es le chorégraphe déjà, tu as déjà des petits points où tu as envie que le danseur parte chercher, faire des recherches pour avoir des propositions en fait. Donc là encore, il y a de la collaboration. Yeah, donc c'est ça, le chorégraphe, en fait, ne vient pas tout dicter à l'interprète. Non. D'accord. Il y a d'autres qui dictent. OK. Voilà. Okay. Moi, par exemple, quand il m'arrive de chorégrapher, je ne dicte pas. Mais je donne vraiment le libre choix au danseur d'aller faire ce qu'il veut. En s'étant assuré avant quand même qu'il sache où on va. Yes. Yeah. Et je sais toujours ce que je veux. D'accord. Donc, je laisse faire tout ce qu'il veut. C'est comme il y a quelqu'un qui dit, excuse-moi, c'est une liberté dans une maison. C'est comme si on nous donnait la liberté ici. Tu es libre, mais ne dépasse pas le tapis. Ne dépasse pas ça. C'est ça. D'accord. Oh, ouais. Okay. Donc, c'est-à-dire le chorégraphe, il sait toujours ce qu'il veut. D'accord. Mais il y a le côté aussi où il peut te demander, s'il te plaît, donne-moi seulement la bouteille d'eau là. Mais toi, au lieu de prendre seulement la bouteille d'eau pour lui donner, si tu tournes, tu prends, tu hésites. Tu peux amener le chorégraphe même à aller plus loin plus qu'il avait pensé. Donc, d'ici, ça peut aller comme ça. D'accord. Donc, pour moi, le danseur, voilà pourquoi la qualité du danseur, ça joue vraiment un grand rôle dans une création, dans le processus de création. Parce que tu peux penser petit et lui, il doit te faire voyager. Mais si tu penses petit, lui aussi pense petit, ça va rester petit. Ça va rester petit. D'accord. Ouais. Donc, vraiment, la liberté, c'est vraiment important. Mais ça reste dans une maison. D'accord. Mais toi qui es chorégraphe, tu dois vraiment savoir ce que tu veux. Okay. Sinon, en fin de compte, on ne sait pas qui crée, qui est l'interprète, qui est le chorégraphe. Et puis, d'accord. Et une fois qu'on s'est tous accordés sur ça, on a un spectacle de bout en bout. On a un spectacle de bout en bout, mais qui a été créé, ça veut dire que soit sur 3 mois, sur 6 mois, ou peut-être sur une année. D'accord. Mais pas continu. Ça veut dire qu'on peut décider de créer sur 6 mois. Mm-hmm. On se dit, OK, le mois prochain, on va créer juste 1 mois. Après, on se donne un temps d'un mois pour souffler et on revient pour recréer 3 semaines et après encore une pause. Et en ce moment, c'est-à-dire quoi? C'est le même spectacle qu'on fait ou on le retravaille ou on ajoute des bouts au spectacle? On ajoute des bouts. C'est-à-dire que si pendant 1 mois, on crée sur « si je sors d'ici », par exemple, et 1 mois, on a eu le temps de faire des recherches sur la scène, et voilà, aboutir à certaines choses, on se donne après un petit temps pour souffler
Donc, pour souffler, qui dit souffler, on prend du recul aussi pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand on revient, c'est d'autres idées, parce que la recherche, elle continue. D'accord. Pour asseoir certaines choses, pour dire, OK, bon, ça ne marchait pas comme ça, essayons-le dans ce sens-là aussi. D'accord. Yeah. Voilà. Et souvent, je dis même, la chorégraphie, là, c'est comme une sauce que tu prépares aujourd'hui. Si tu la laisses se reposer, au lendemain, c'est la même sauce, tu n'as rien ajouté, mais les goûts sont différents. Les goûts sont différents. Mmh. Donc, souvent, lorsque même la pièce est finie, vous avez tourné, vous la laissez poser un temps et qu'il faut la revoir, il y a beaucoup de choses qui changent encore. Mmh. Au calme. Donc, ça évolue toujours. Mais quand vous dites qu'il faut écrire, ça a l'air de quoi? Parce que quand on prend l'univers du théâtre, quand on écrit, c'est clair, on a écrit une pièce de théâtre, c'est là, c'est un document, tout le monde. Mais dans la danse, qu'est-ce qu'on écrit? OK. Dans la danse, qu'est-ce qu'on écrit? C'est-à-dire que si j'ai l'idée, j'ai envie de prendre, je cherche un thème ou un titre, là. Le fauteuil. Le fauteuil. On prend le fauteuil comme titre, et peut-être c'est ça notre thème aussi. Autour. Donc, le fauteuil, parce qu'il disait tout à l'heure, pour créer, c'est un cri, en fait. Il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir quelque chose à dire. C'est un cri. Donc, quand ça vient comme idée, le fauteuil, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Donc, tout ça, je dois le pondre sur un papier, je griffonne, j'écris pas mal de choses. Et après, il y a ce temps-là, OK, le fauteuil. Je parlais d'ouvrage, en fait. Je veux aller chercher des trucs qui sont... En relation voilà. Peut-être avec que le fauteuil, ça parle du pouvoir, de politique, ou ça parle de, comment on appelle encore, de deux hommes avec une femme. D'accord. Tu vois, donc, il y a pas mal de recherches à faire en ce moment, que ce soit des films qu'on peut trouver, qui peuvent nous inspirer. Que ce soit des documentaires ou que ce soit des livres, que ce soit, c'est-à-dire que des gens qui ont vécu cette expérience-là même, qu'on peut aller rencontrer. Pour faire de la recherche. Pour faire de la recherche. D'accord. Après, maintenant, on revient sur la scène pour créer. Mais maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie, c'est vrai, c'est bien d'avoir ces, comment on appelle, ces éléments-là au maximum possible, mais qu'est-ce que j'en fais? Ça aussi, c'est important. Est-ce un questionnement? Comment est-ce que j'écris mon histoire de bout en bout, avec des personnages. Bien précis. Donc en ce moment, en écrivant, on écrit le message qu'on a envie de dire, et en même temps, qui apparaîtra dans ce que j'ai envie de dire. Donc on est dans les personnages, et ensuite on distribue les rôles. On distribue les rôles. Souvent même, il y a des fois, tu penses, je me dis, OK, j'ai envie d'un danseur qui va jouer dans une cage. Et je pense à Vicky. D'accord. Et sauf que quand on arrive sur scène, c'est vrai que je pense à Vicky, mais je ne dis pas à Vicky que je pense à lui. Je laisse les autres danseurs aussi chercher. Justement. Après, je peux trouver quelqu'un d'autre. Genre, je peux trouver Roby qui le fait mieux que mieux Vicky. Mieux que Vicky, donc finalement. OK, bon, Roby, tu le rends mieux. Ça, le personnage te colle à la peau. Donc, vas-y. Donc en fait, il n'y a pas un casting arrêté. Y a pas, le casting peut être arrêté, mais la scène... C'est là où on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que c'est vraiment sur la scène, elle est là, elle est vide et tout. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Voilà, c'est ça. Donc, pour revenir sur le côté écrit, là, oui. Je voulais juste ajouter un truc. C'est comme un film que tu veux regarder. Il y a souvent le résumé qui est juste derrière. Oui, oui. Donc, quand tu lis le résumé, tu as une petite idée de ce qui t'attend. Oui. Donc, voilà pourquoi il faut... Bon, pour un spectacle, d'abord, c'est la note d'intention qu'il faut écrire. Donc, avec la note d'intention, quand quelqu'un prend et qu'il lit, il sait à peu près de quoi tu veux parler. D'accord. Ouais. OK. Ouais. Donc, ça permet à la personne d'abord de s'installer et de dire, OK, j'aurai affaire à ça. C'est comme on devrait venir ici, on nous a appelé pour dire, c'est un spectacle. Il y a une émission, ça doit parler de OK. Donc, c'est la note d'intention, en absolument. Fait. Donc, on sait à quoi s'attenir. Bien sûr. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Ben oui, naturellement. Voilà. Donc, c'est juste dans notre spectacle en train de se passer. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes tous les deux formateurs. À quel moment la formation entre dans votre parcours? Pour moi, je me suis retrouvé dedans. D'accord. Ouais. Apparemment, toi, tu te retrouves dans tout. Clair. Je me suis retrouvé dedans. C'est vrai, parce que souvent, tu ne décides pas. Les choses arrivent par hasard comme c'est ça. D'accord. Oui. Par exemple, ce matin-là, je n'ai pas décidé d'être là. Non.
J'étais tranquille, et puis celui qui m'appelait pour dire frère, il dit, hein, donc, allons, donc, je me suis retrouvé ici. Oui, la formation pour moi, c'est venu. Mais j'avais toujours, mais personnellement, j'ai eu toujours envie de partager. D'accord. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Mm-hmm. Et c'est un jour, je suis allé le voir, il donnait des cours au CDC. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à partir le matin pour suivre quand même parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Et il m'a dit un jour, pourquoi je ne vais pas? Il dit, non, frère, partager, je n'ai jamais fait. Et puis, il dit, non, il faut. Et donc, il m'a proposé. Mm-hmm. C'est parti comme ça. Donc, le premier jour, c'est qu'il y avait 3 semaines à faire. Je n'ai jamais formé. Je me dis, mais en 3 semaines, là, qu'est-ce que je vais donner? Mm-hmm. Donc, il y avait un gros point d'interrogation qui se baladait dans ma tête. Ouais. Donc, quand je dis, je me suis retrouvé dans la formation parce que il y a des gens qui ont eu un parcours. Il y a des danseurs qui ont eu déjà une formation, mm-hmm. qui ont un bagage. Oui. Donc, ils savent comment transmettre. C'est ça. Moi, je n'ai pas eu de formation dans la danse, donc je viens de tous les côtés. Donc, qu'est-ce que je vais donner à quelqu'un? Tu vois, ça reste un peu... C'est comme tu parles le français, mm-hmm. mais on te demande maintenant d'aller enseigner en français. C'est comment tu vas faire? Ça reste très difficile, quoi. Oui. Ouais. Maintenant, comment j'ai pu m'en sortir? Ah! Ah. Bah, il faut nous dire. Je ne peux pas. Ah. C'était chaud. La première semaine, comment ça s'est passé? Ce que je sais, c'est que la première semaine, quand ils sont arrivés, je me demandais, frère, je me demandais, je vais les faire danse traditionnelle, quoi. Je vais leur proposer quoi? Là, je me suis dit, non, attends, laisse-les danser. D'accord. Donc, je les ai tous mis sur la scène, un peu pour lui. J'ai dit, bon, danser, la personne qui est fatiguée n'a qu'à aller s'asseoir. D'accord. Oui. Mais quand même, j'ai une petite expérience. Absolument. Oui, oui, oui. Et quand ils ont commencé à danser, j'ai vu à chacun d'eux des choses que je peux les apporter. D'accord. Parce qu'ils ont tous dansé, et quand tu les vois, puisque danser, c'est de savoir... Tomber, c'est de savoir se relever. Mm-hmm. Quand tu es là et puis tu tombes, c'est que frère, il y a un problème. Donc, on danse en haut, on danse en bas. Mm-hmm. Il y a une façon, il y a une technique en fait de se relever. Oui. Donc, je me suis dit, OK, la première des choses que je vais faire, c'est de les apprendre d'abord à danser, danser debout et comment aller au sol. Mm-hmm. Du sol, comment se lever. En fait, mm-hmm. sans tituber, parce que quand tu marches et que tu tombes, c'est que tu ne sais pas marcher d'abord. Ah, donc, problème. Ça a été ça. Donc, moi-même, j'ai commencé à me former D'accord. dans la formation okay. à travers eux. Donc, ça devenait intéressant pour moi parce que chaque fois, la chose évoluait, donc j'essayais de changer les étapes. Et donc, c'est parti petit à petit comme ça, où on a commencé par d'abord comment danser en haut, aller en bas, essayer des appuis au sol, comment faire les déplacements, danser d'un point à un autre. Donc, la chose, c'est que c'est là où la curiosité rentre. Donc, je posais aussi des questions à des gens. Oui, oui, oui. Bah, oui. Parce que seul, on ne connaît pas. Et surtout que maintenant, il y a des élèves qui sont susceptibles de te poser des questions. Au calme. Et comment tu as trouvé réponse? Donc, moi aussi, j'ai demandé des exercices à d'autres personnes que j'essayais de leur transmettre ça. Mais avant de transmettre, il faut que je comprenne d'abord. Absolument. Oui. Parce que moi, mon truc, c'est que je ne danse jamais quand je forme. D'accord. Ah non, 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 je vais, je m'habille, je suis assis, puis c'est vous qui dansez. Mais tu danses avec mon corps. C'est Et ça. C'est très sérieux, en fait. Okay. Tu danses avec mon corps. Ça je ne danse pas, mais tu utilises mon corps, donc utilise-le bien. Oui, c'est ça. Et tant que ça ne répond pas à mes attentes, ah non, c'est plié. C'est pas encore arrivé. Non, c'est pas encore arrivé. Donc, ça a l'air d'être comme un amusement, mais on s'amuse très sérieux. D'accord. Ouais. Donc, c'est comme ça, moi, ma formation, je me suis retrouvé dedans. Okay. Et j'ai pris goût. Ils ont pris goût. Donc, c'est devenu goûteux ou juteux. Je sais qu'il y a eu goût dedans. Donc, c'est vrai que ça répond à la question. Quoi. C'est Absolument. Un truc, quoi. On gère. Et vous, Robert? Moi, c'est-à-dire que très jeune, on a commencé à me donner, c'est-à-dire que la responsabilité. La responsabilité, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la formation, à former des gens, parce que je suivais une formation à la Termitière et je formais aussi ailleurs. Ah. Donc, il y avait le temps aussi d'aller d'essayer ce que j'apprenais, aller donner, mm-hmm. transmettre aussi. Donc, ça me permettait même d'approfondir et de mieux comprendre oui. tout ce que j'apprenais. Oui. Et avec le temps aussi, après la formation, j'ai été aussi dans pas mal de projets où il fallait former, il fallait faire des ateliers. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance à parler d'ateliers que de cours, en fait, parce que l'atelier, c'est là où tu amènes le danseur même à réfléchir, à penser avec la tête, pas qu'avec le corps. D'accord. Voilà. Elle ne peut pas juste exécuter. Elle ne peut pas juste exécuter, voilà, à vraiment interpréter, mais vraiment, ça dit que... C'est le mind, c'est le mental, il y a de la psychologie dedans aussi. S'il y a quelque chose qui est quand même particulier avec le métier de danseur, moi j'ai envie de dire, hein, c'est l'un des rares métiers où tout le monde a le droit de s'inviter. Je veux dire, à un moment ou à un autre de la vie de chacun, on a été amené à danser.
Et surtout, la danse, quand même, s'invite dans plusieurs autres secteurs. On l'a vu dans notre micro-trottoir tout à l'heure, dans les salles de sport, la danse est de plus en plus présente. Mmh. Et on va dire que c'est l'une des formes de sport qui ramène beaucoup de personnes. Vous, en tant que danseuse, danseur, comment vous vivez ce type de sortie de la danse et du fait qu'il y ait tout le monde dedans ou pas? Moi, je pense que c'est une belle explosion. D'accord. Déjà. Et si on doit projeter ça sur 5 ans, tout le monde va danser, même en circulation. Oui. Non, il ne faut pas qu'on danse en circulation. Oui, ça va être on peut danser partout, mais en circulation. En circulation, on va danser dans la tête. Oui, c'est vrai, parce que ça fait que... Et ça nous facilite un peu la tâche, déjà. D'accord. Oui, parce qu'on voit que la danse, on est... Même nos mamans dansent. Absolument. Oui, bien tu sûr. Vois, non? Donc, ce n'est pas quelque chose qui appartient à certaines personnes. C'est pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, on essaie de déplacer souvent dans certains endroits pour essayer de chercher autre apport. Aujourd'hui, par exemple, dans les salles de gym, tout le monde danse. Tu vois, et donc, beaucoup se retrouvent en train de... par exemple, nous, déjà, on donne des cours de danse au CDC qui s'appelle Pluridance. Mm-hmm. Et c'est des cours de danse amateur. Pour ceux qui ont envie de... C'est cardio. Et c'est pour ceux qui ont envie de danser aussi, pour apprendre à danser. D'accord. Donc, en 1h30, on essaie de mettre tout le monde dans le même sac. Toi qui es venu pour perdre du poids, tu vas retrouver ton compte. Toi qui es venu pour apprendre à danser, tu vas retrouver ton compte. Mais comment ça se fait? Ah. Tu vois un peu? Mais personne ne se plaint. À la fin du cours, celle-là a perdu 1 kilo, ok, c'est bon. Celle-là, elle sait danser, ok, c'est bon. Mais tout le monde y a est pas, content. Tu vois un peu? Donc, oui. Donc, en fait, chacun se retrouve dedans. Et donc, avec... Tout ce qu'on voit qui est en train de se passer en ce moment-là, franchement, je dirais que ça nous facilite la tâche parce que les gens voient que ce métier-là, ça n'appartient pas seulement, comme je disais, à une, c'est pour tout le monde. Mm-hmm. Et il faut savoir seulement, il faut d'abord penser à accepter ça. Et ça va passer. C'est ça. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est une belle explosion et j'applaudis ça. Vraiment, j'applaudis. Peut-être même à la fin du cours. Il n'a qu'à continuer même à l'ouvrir, à l'élargir. Oui, il n'a qu'à continuer à l'élargir. Mais parce que... justement, est-ce que tout le monde peut danser? Tous ceux qui savent marcher peuvent danser. Il y en a qui ont 2 pieds gauche. Hein? Oui, quoique. Mais tout le monde peut danser. Mais moi, j'aime dire, hein, c'est-à-dire, poétiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a ceux... qui dansent pour le beau, pour la beauté, par besoin, par nécessité, ou bien par thérapie, tu as tout ça. Oui. Sauf que nous, notre chance là, ça dit que c'est un ensemble de tout, c'est un melting pot de tout ça, qui fait que voilà, on est des danseurs de profession. Mm-hmm. Mais après, tout le monde peut danser. Et tu vois, ce qui est doux dans la danse là, c'est que tu n'as pas besoin de savoir marcher même pour danser. C'est ça. Il faut exister seulement. C'est ça. La dernière fois, je voyais à la télé des handicapés qui dansaient. Je ne sais pas c'est dans quelle province. Mm-hmm. Ils sont handicapés, depuis, mais les gars, frère, quand ils baillent, tu ne peux pas. Tu peux pas. Oui, ils dansent sur leurs pieds et puis c'était fort. Donc, en fait, danse pas seulement celui qui peut marcher, c'est tout le monde qui peut danser. Parfois, il y a des frustrations. Les gens sont un peu frustrés parce qu'ils disent, j'ai 2 pieds gauche, je ne sais pas danser. Mm-hmm. C'est parce que tu veux adapter ton corps à celui de l'autre. Non, mais souvent, en fait, bon, il y a des gens, la musique est à gauche, ils dansent à droite. Ça arrive. Même souvent, même tu danses, mais après, tu oublies la chose. Chacun a ses lacunes. C'est vrai que quand c'est difficile, il ne faut pas se cacher. Ben oui. Et souvent, les 2 pieds gauches, comme on est en train de dire là, ça devient un problème lorsque 2 pieds gauches doivent suivre des gens qui ont trois pieds droits, par exemple. Ah, c'est ça. Donc, ça fait que ça traîne. Mais si tu dois utiliser une personne qui a 2 pieds gauches seulement dans son élément, tu vois un peu, ça veut dire que comment l'utiliser à donner quelque chose, bien à créer une chorégraphie, ça peut marcher. Mais même si la personne a 2 pieds gauches, on peut toujours... Faire danser, à danser. Ça, c'est la conviction des formateurs. Et c'est l'honnêteté aussi. Je parlais d'honnêteté. Il faut juste être honnête. Il y a des gens qui ont lâché l'affaire, qui ont dit cette histoire-là, laissons tomber. Il faut flatter. Il faut savoir flatter. Parce que s'il y a également un univers où la danse, ces dernières années, c'est très invité et on fait le choix aujourd'hui de le faire de façon, on va dire, plus ou moins professionnelle. C'est pour les chorégraphies de mariage. Parce qu'il y a de plus en plus de couples qui font appel à un chorégraphe, qui préparent ça. Il y en a même qui prennent des cours de danse longtemps à l'avance. Mmh.
le jour du mariage, là, souvent. Ça va pas. Est-ce que... Ça, c'est quoi? C'est le stress, c'est l'émotion? Non, c'est le stress, c'est l'émotion. Tu sais, il y a certains qui l'ont naturellement. C'est-à-dire que les aptitudes de danse ou la capacité même d'assimiler vite les danses ou les pas de danse, il y en a qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas cette aptitude-là, d'où tu parlais de deux pieds gauche. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que le danseur professionnel qu'on appelle pour créer, monter une chorégraphie, ce gars, il a pris peut-être des ans, il a pris des années pour créer. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ait une certaine aisance de... Mais bon, juste pour un mois, tu dois faire quelque chose. Donc, ne sois pas étonné à un moment donné si tu vas à gauche, pourtant vous devez être à droite. C'est tout à fait normal, en réalité. Et puis, côté truc de mariage, là, on a quand même dit la vérité. Souvent, les gars choisissent des gens. Toi-même, tu sais que... C'est vrai, j'ai dit c'est possible. Mais l'impossible, là, c'est pas par hasard qu'ils ont créé, quand même. Oui. Parce que tu t'as pas prendre vraiment ton cousin. Lui-même a fait des danses là, vraiment, il n'est pas dedans. Et puis tu veux qu'il n'a qu'à danser. Et puis le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais tu vas vraiment, frère, le gars, il fait un virage à gauche pendant que tout le monde est en train de frapper à droite. Mais là, vraiment, on fait quoi? Sincèrement, si il rit là, c'est parce qu'on a consenti tout ça. C'est affaire de mariage. Je sais qu'autour d'eux, il y a des gens qui sont capables, mais c'est aussi joyeux de voir que non, ton cousin ou ta soeur est en train de danser pour toi. Donc, comment arriver à là? On peut toujours le faire, mais c'est une question de temps souvent. C'est ça. Parfois, ce qui est intéressant dans le mariage, c'est que si le mec il tourne à gauche alors que tout le monde est à droite dans la vidéo, on s'en souviendra et on va rire des années plus tard. Tu vois, non? Et puis, ça passe. Mais en fait, j'aborde cette question parce qu'on peut dire que, ça ouvre quand même la palette des possibilités pour ceux qui ont choisi la danse comme métier. Parce qu'on va remonter quelques années en arrière, tu as beau être danseur, chorégraphe, à moins d'avoir une belle carrière dans le secteur, c'est pas un couple de mariés qui va te dire « oui, on prépare notre mariage, on a besoin d'une chorégraphie ». Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup plus d'options pour ceux qui choisissent la danse comme métier? Si, il y en a plein. Il y en a de multitudes d'options, en fait, parce que il y a ceux qui sont que dans les danses de création, en tant qu'interprète même, il y a ceux aussi, il y a des danseurs aussi qui pensent projet, que ce soit social, humain, qui pensent projet, et qui n'est pas d'ordre de spectacle, mais d'ordre de formation, voilà, ou de partager des moments très humains, voilà, avec genre des personnes cancéreuses et tout, ou bien dans certaines institutions. Il y a ceux aussi qui sont que dans la chorégraphie pour mariage, ou dans des salles de sport. Donc vraiment, là, c'est assez grand, c'est assez large. Et je trouve que ça, c'est pas mal, en fait, qu'on fait tous un choix. Oui. Mais est-ce que c'est tous les danseurs qui peuvent aspirer et aspirer à avoir une carrière internationale? Parce que c'est vrai que ça fait partie des secteurs. En général, quand on voit un danseur qui a atteint un certain niveau, on se dit « Ah, mais lui, il prend l'avion tout le temps. » Est-ce que c'est une réalité pour tous les danseurs de carrière? C'est pas une réalité pour tous les danseurs, mais je crois qu'on peut se permettre de le rêver, et c'est bien de rêver. Moi, j'aime dire, il faut rêver même comme un enfant, bien beau, grand, et c'est ça après qui te donne toute la conviction et puis qui crée certains principes à toi où tu as envie d'aller plus loin. Et ça, c'est important. Et si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Parce que il y en a qui disent, ok, on est dans une jungle, mais on est dans une jungle où tout le monde a une place. Tu vois? Pour ce que tu es en train de dire, c'est bien. Et ça ouvre même la porte à une autre chose. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a dit aux danseurs du CDC, là, maintenant que votre formation est finie, il y a d'autres qui vont... Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas seulement obligé de penser que vous voulez voyager. Vous pouvez être là et produire et créer, en fait. C'est ça. Tu vois? Et aujourd'hui, beaucoup de danseurs pensent que c'est parti qui fait ça. Oui. Oui. Non, mais ce n'est pas ça du tout. Ici, là même, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi je dis, après la formation, qu'est-ce que tu mets en place pour toi-même? Parce que voyager, c'est bon, mais c'est un grand confort. C'est le côté où il y a, peut-être que tu es souvent interprète, où c'est les gens qui font des choses, et tu peux voyager pendant 10 000 années. Mais après, toi-même, tu deviens quoi? Donc, en même temps, c'est un confort. Après, je me dis, il faut être aussi fort pour pouvoir profiter de ça, pour voyager de tes ailes. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect est,
Est-ce qu'il faut toujours voyager quand on est danseur? Est-ce qu'il faut toujours vouloir voyager? Est-ce que c'est voyager même qui fait de toi un danseur? Ouais. C'est ça. Tu vois un peu, non? Moi, je pense que... D'abord, tout le monde danse. On est tous des danseurs. Ah oui. Et donc, ce n'est pas que voyager. Et j'ai dit ça parce qu'on a la télé, et puis il faut que les gens donc, comprennent que... Attends, la danse, là, c'est il faut vivre. C'est le partage et c'est l'ambition. C'est, même si c'est petit et que tu te retrouves dedans, frère, c'est pour toi, là, comme ça. Après, chacun a sa chance. Mais on a parlé tantôt du fait que la danse urbaine, certes, rassemble facilement les foules ici, comparativement à la danse contemporaine. On se dit souvent, si je fais ça ici, en vrai, est-ce que j'ai vraiment un public adapté pour ça? Est-ce qu'on a de la consommation? Mais il faut changer les choses, il faut changer les codes. Tu vois, moi, je pense qu'il faut changer les codes. C'est-à-dire que... On a la chance d'être des artistes, danseurs et chorégraphes. Donc, d'où il faut vraiment observer. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait un travail d'observation. Parce que du moment où tu es danseur, tu crées, il faut observer. Mm. Et donc, c'est de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'est pas encore mis en place, qu'est-ce que je peux faire. Donc, toi-même, en fait, tu dois redéfinir même ton rôle. D'accord. Je dois redéfinir mon rôle. Tout à l'heure, il disait quelque chose d'intéressant qui est que est-ce que je suis le danseur qui veut tout le temps voyager ou qui veut être dans les projets d'autres personnes? C'est bien d'être dans les projets d'autres personnes, mais c'est bien de penser soi-même aussi, OK, moi, OK, je suis un citoyen du monde, j'ai envie aussi de mettre des choses en place. Comment est-ce que je peux le faire ici? Parce que, en fait, le danger, je danse pour qui? La question que tu dois te poser, c'est ça. Je danse pour qui? Pourquoi? Mm-hmm. Est-ce que je danse pour l'étranger, mm-hmm, ou bien je danse pour le monde? D'accord. Ça, c'est important. Du moment où j'ai compris cela, OK, je danse pour le monde. Donc, ça veut dire que même étant ici, je peux penser des projets ici. Mais il faut vraiment être bien organisé, bien structuré et trouver les fonds qu'il faut aussi. Mais sauf que nous, on a la chance, même sans fonds, ça veut dire que la création, là, c'est ça, on peut commencer sans rien. C'est ça. Après, ouais, s'il y a des choses, on peut faire. D'accord. Donc, OK. Autre chose à ajouter par rapport à ça? Non. Aujourd'hui, mais tu vois, on parlait des danseurs urbains, là. Oui. Ah, ils sont comme ça. Bah oui. Ouais, parce, frère, souvent, les gars, ils sont dans 10 000 choses en même temps, mmh, que celui qui fait peut-être la danse contemporaine. Donc, imagine-toi, tu gagnes 20 000 par jour pendant la semaine. Ça te fait combien? Tu dois danser peut-être 7 artistes. Donc, pour moi, ils ne sont pas en arrière. Mmh. Non, ils ne sont pas en arrière. Donc, tu vas partir, tu vas venir le trouver, le gars évolue. Parce que de nos jours, moi, je pense, et depuis que le Covid est arrivé, j'ai remarqué, par exemple, que notre gouvernement, bon, peut-être que ça existait, hein, ils ont mis beaucoup plus de moyens dans l'art, mm-hmm, côté danse. Tu vois, donc ça fait, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire ici. C'est-à-dire, on nous permet, ils sont en train de nous permettre maintenant de rester, pas de rester ici. Mais de rêver ici. De rêver ici. D'accord. Et okay, ça manquait. Peut-être okay que ça existait depuis, c'est maintenant, moi, je me rends compte que ça manquait. Maintenant que ça existe, toujours comme projet sur 5 ans, donc on ne va plus partir, on reste ici, parce qu'il y aura du travail. D'accord. Et pour un métier, quand on choisit un métier, c'est justement pour avoir du travail dedans et en vivre. Justement. Justement. Il nous reste environ 2 minutes d'émission. Donc... donc je vais demander à chacun d'entre vous un petit mot de synthèse, justement par rapport à ce choix de métier-là, à ces réalités et à tous ceux qui aspirent à faire ça comme travail. Robert. D'accord. Moi, j'aimerais dire que c'est le plus beau choix, hein, que ouais, j'ai eu à faire. Mais déjà, il faut savoir que quand on arrive dans ce métier, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. OK. Voilà. Et beaucoup de sacrifices. Et c'est une autre école de vie et d'homme. Donc, qui parle d'école, parle d'organisation. J'insiste là-dessus, en fait. Mm-hmm. L'organisation, la rigueur, la sincérité qui va avec, c'est bien d'avoir toutes ces valeurs-là, en fait, quand tu arrives dans ce métier et être vraiment curieux. D'accord. Voilà. OK. C'est merci. L'ouverture d'esprit, je veux dire. C'est important. C'est important. Absolument. Ouais, moi, je dirais que c'est un métier qui est... C'est très difficile. Et pour tout ce qui a envie de le faire, pour tous ceux qui le font, on n'a qu'à toujours se demander...
pourquoi tu veux danser et à qui tu veux ressembler. D'accord. Ouais, à qui tu veux ressembler. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aboutir à ce rêve-là? Parce que tout dépend de toi. Dans ce truc-là, dans la vie en général, rien n'est impossible. Tout dépend de toi. Ça dépend de personne. Donc, tu dois te faire et tu seras. Merci beaucoup pour ce joli message de conclusion. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment, tout comme moi, hein, sur ce plateau. Heureusement que personne ne m'a demandé de danser, parce que je fais partie de la grande famille des deux pieds gauches. Mais je ne perds pas espoir. Vicky a dit que ce n'est pas impossible. Donc, il faut du temps et de la pratique. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais, du temps et de la pratique. Et même s'il y en a qui en doutent, ce n'est pas grave. Moi, j'ai foi. Il a aussi dit que ça dépend que de moi. Si je veux, je vais y arriver. Bon, on va se donner le temps pour y arriver naturellement. Mais en attendant, on vous dit un grand merci à tous les deux pour le temps qui vous a été accordé. Merci de nous avoir invités dans votre univers. C'est important qu'on se rende compte que c'est un métier qui demande beaucoup de travail. C'est vrai que quand on vous regarde sur scène, ça fait beaucoup d'énergie dépensée. Kirina, justement, je l'ai vu, je me suis dit « waouh ». Comment on peut avoir autant d'énergie, autant de souffle? C'est extraordinaire, c'est une sacrée performance, ça mérite d'être vu. Bravo à chacun de vous pour la carrière, surtout beaucoup de courage, bon vent. Et pour ceux qui ont des enfants qui souhaitent faire de la danse comme métier, avant de juger vite fait, il faut prendre le temps de vous renseigner, de vous informer auprès des professionnels, de peut-être vous rendre compte que vous avez un point de vue un peu erroné parce que vous ne maîtrisez pas forcément tous les contours du secteur. Et c'est toujours important de savoir avant de juger. En tout cas, nous, on prend plaisir à voir nos artistes, danseurs, avoir de belles carrières, autant sur le plan national qu'international. On leur souhaite d'avoir des carrières qui grandissent parce qu'avec eux, c'est le nom du pays qui évolue. Et naturellement, c'est tous, autant que nous sommes, chacun, qui pouvons nous narguer de dire « c'est un danseur de chez moi ». Merci beaucoup à chacun d'entre vous. À demain avec un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et merci de rester fidèles au programme de BFA. Au revoir.